arrière-grand-mère m'a conté l'histoire de son mariage. C'est un beau roman du temps passé qui débuta par un beau voyage. En ce temps-là, pour aller loin, on connaissait à peine le train et l'on trouvait déjà bien beau la voiture et les chevaux. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en cahotant, voyageur toujours content. Il y avait un vieux notaire, un curé et son bréviaire, une fille à marier, un monsieur très distingué. Le notaire dormait, le curé priait et la belle rougissait en silence. Le monsieur parlait et lui récitait des rondeaux et des sonnets. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant par la pluie et le beau temps. Lorsque les chevaux péniblement avaient fait 30 kilomètres, à l'hostellerie du Cheval Blanc on passait la nuit pour s'en remettre. Pour aller de Paris à Tours il fallait bien au moins 8 jours. Évidemment ça donnait le temps de se cornetter amplement. La petite diligence sur les beaux chemins de France s'en allait en carottant, voyageur toujours content. Lorsque la côte était dure, il descendait de voiture et poussait allègrement, car c'était le règlement. Le ciel était bleu et le beau monsieur faisait les yeux doux à sa belle, tandis que le curé se disait, oh ça y est, ces deux-là je vais les marier. La petite diligence sur les beaux chemins de France arriva enfin à Tours et c'est tout le roman d'amour. C'est toujours pareil en France, mis à part la diligence. Quand on veut se marier, il faut savoir voyager. Il faut savoir voyager.